Bonjour tout le monde, c'est Mam la Zizou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode, enfin un nouveau let's play sur un hack. Ça faisait longtemps, Mario à la recherche des 8 joyaux, numéro 2, c'est le deuxième hack. On n'a pas fait le 1, mais c'est pas grave, parce que nous on commence à l'envers. J'ai fait Mario Galaxy 2 avant le 1. Alors c'est parti, ça va être un découverte, pas un total découverte, parce que j'ai fait le premier niveau pour voir s'il m'intéressait le hack quand même. Alors Mario base, la base de Mario. En tout cas, j'espère que ça va vous faire plaisir, le retour des hacks sur ma chaîne. Ça faisait longtemps quand même. Alors, bonjour Mario. Bowser a volé peut-être les joyaux et je sais pas ce qu'il a fait. Factory, tu dois trouver 4 Switch pour je sais pas quoi. Voilà, bon bref, de la part de toi. J'ai traduit à moitié franchement et on a rien compris. Alors, le boulevard des champignons, d'accord. Difficulté. Ah d'accord, on est au tout début de... Alors, ce 4 exit, non, présent. Je sais pas ce que ça veut dire. Artifact, je sais pas ce que ça veut dire. Ok, ça c'est intéressant quand même. Bon, mais c'est parti. Alors, petite musique de Mario 64. RKZ, dédicace à toi. Alors, les power-ups sont custom. J'aime pas trop la casquette de Mario par contre. Hein. Elle est un peu trop grosse pour sa tête. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Alors, tu dois trouver un autre... Bowser, je sais pas quoi, Lakey. What? Ouah, rien compris là. Je peux même pas traduire un tout petit peu là. Donc, ça, c'est les Reznor. Qu'est-ce que j'ai, les Reznor? Les petits dinosaures là, je sais pas comment ils s'appellent. Bon, ça, c'est les Goombas. Il a bien customé plein de trucs. Bon, ça, c'est Sprite Custom. Ça vient de Mario Land. Alors, un petit tuyau. De toute façon, il n'y a pas de sortie secrète, donc je sais pas pourquoi je me casse la tête. Écoutez la musique. Moins bien, vous la connaissez tous. Voilà. Les sauts tendus. Ok, bon, c'est bon. C'était simple. D'accord, on a des pièces. Ah, il y avait un cadeau là. Ah merde. Et mince. Bon, c'est pas grave, on s'en fout complet. Il y a quoi en haut? Moi, je suis curieux. Ok. Je sais pas trop ce que c'est ça. Ok, bon. C'est les pièces étoiles, les fleurs. Hein. Et on gagne. Ok, une boule de feu. Je sais pas ce que c'est, les trucs. Hein. C'est des potions, c'est quoi? Je vois pas du tout. Bon, essayons d'aller un peu plus vite. Alors, pour l'instant, rien de très intéressant. J'espère que Act va être très intéressant. Ah, il va être hard, surtout. Je sais plus si c'est normal ou difficile, un des deux. En tout cas, c'est pas facile, ça, je vous le garantis. Je ne fais pas d'acte facile. J'ai une fierté, hein. Ah, ça c'est le checkpoint, d'accord. Tadadam. Alors. Ok, une nouvelle fleur. Tadadam. Bon, il y aura 2 épisodes par semaine environ. Je vais essayer de reprendre Mario Luigi, mais il faudra absolument que je trouve comment arrêter de faire laguer cet émetteur là, Citra. C'est pas encore assez performant, on va dire. Pour y aller là. Ok, voilà. Je me disais aussi. Ok, tranquille. Là. On a les 4 pièces. Il nous en manque plus qu'une. Il y en a 5 par niveau. Ok, bon, 3 dedans. Eh bien là, toi, je vais me servir de toi. Ok, bon, allez, casse-toi. Il m'a servi à rien. Tac, allez, dégage. Il n'y a rien là-bas. Comment on fait pour monter en haut là? Pas de vie, y'a rien. On fait comment pour monter en haut? Je vois pas du tout. Je vois vraiment pas du tout. Ah d'accord, c'est bon. Il y a le tremplin. On va s'en servir. Hein. Dernière pièce normalement. C'est quoi ça? What? On va laisser cocher comme ça. Je sais pas à quoi ça sert. Je sais pas du tout à quoi ça sert, franchement. Allez, dégage-toi. Ok, la dernière pièce. Ah ok, c'était un switch pour ça, je pense. D'accord. C'est bon, je comprends un peu mieux. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Vous venez de trouver la porte de sortie pour entrer. Pour entrer, appuyez sur le bouton. Mais il se fout de qui, là? C'est un hack, hein, c'est pas...
Normalement, ceux qui font les hacks connaissent la base de Mario World, je pense, non? Okidoki. Je sais pas d'où elle vient cette musique-là, de voir. Tunnel de fleurs, d'accord. Alors, une étoile pour la difficulté. Ok, pas de sortie secrète. Par contre, je sais pas ce que c'est les deux derniers trucs, l'artifact et l'autre. Alors, justement, ils ont parlé. In this game, one hidden in each world, they are hard to find. Et c'est des choses à trouver, et à ce qui paraît, c'est un peu compliqué à les trouver. Bon, je sais toujours pas ce que c'est, mais on va bien voir en le trouvant. Mais c'est dur à trouver, donc si c'est dur, on va les trouver quand même, parce que nous, on est des pros de la recherche, vous savez. Alors, première pièce, enfin, première fleur, on va s'adapter au hack, hein. Casse-toi. Chisement, ça fait plaisir ça. Ok. Petite potion. Alors là, il y a une nouvelle pièce, je le sens. Enfin, fleur. Ah non, trompe là. Ok, c'est bien. À quoi va nous servir ce trompe là? Pour l'instant, il n'y a pas du tout de complicité, je vais dire, de difficulté. Ok, mais ça sert juste à ça. Alors, il y a quoi ici? Juste des pièces, c'est du foutage de gueule. Allez hop. Pour l'instant, on n'a fait aucun fail. Je suis fier de moi, vous voyez? En même temps, il n'y a pas de quoi être fier. Okidoki, une fontaine. Un verre, on peut nager dedans. Ça me fait penser à la fontaine dans Mario 64, là où il y a les boues. Je sais pas si vous voyez. Bref. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Petite fleur. Qu'est-ce qu'il y a en bas? Oula, j'ai failli faire le premier fail là, vous voyez? Rien, toujours rien. Il y a un switch ou quoi là? Faut utiliser un switch, je veux dire. Ah, voilà, je le sentais. Alors. Ah, ça c'est pas bien ça, il y a encore la musique de Yoshi Island alors qu'on est dans une grotte. Ok, le switch. Voilà. Tourner. On va revenir en arrière pour aller dans le truc qu'on a vu. Hein, voilà. Ok, on a un cadeau. Un cœur. C'est une vie, ça? Ça nous a donné une vie ou je rêve? Je sais pas trop. Allez, prends ça. Il y a un truc là-bas, ça a l'air intéressant. Enfin, il y a juste un power-up, mais bon, on va voir. Peut-être une vie. Non, juste des pièces. Pas intéressant, alors. On fout un peu les pièces. Il n'y a rien ici. On va aller en bas. Il y a l'air d'avoir des trucs. Alors, le Goomba, tu dégages. Enfin, le Maskas. J'ai dit, on s'adapte au hack. Ok. Il y a un intéressant en bas. Il nous reste plus qu'une pièce et c'est bon, je pense. Enfin, oui, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a un truc dans le tuyau à gauche. On va vérifier ça. On va vérifier ça tout de suite. J'ai envie de me faire prendre par les Black Pyramids. Ah, toujours rien. Les pièces. Hop. Il y a quoi là? Ici. Les pièces, mais il donne beaucoup de pièces hein, ce swap là. Je sais plus comment il s'appelle l'auteur. Bon, on a manqué une pièce étoile, enfin une fleur, je suis sûr. Ah non, c'est bon. On les a toutes. Okidoki. Et c'est la fin. Ils sont compliqués à rentrer ces portes. Voilà. Okidoki, sortie secrète. Lego Tower. Et la tour de Lego. Ok. Deux étoiles. Alors, oui, il y a une sortie secrète. D'accord. Bon, c'est parti. Musique. Ah, ça vient de Mario Land. Alors, un ballon de foot. Dégage le ballon de foot. Premier fail du hack. Bien ça. Oula.
falloir aller là-bas. Bon, allez, on commence les fights, c'est bien. La serrure, elle est là. On va voir qu'est-ce qu'il y a dans ce tube. Faut pas perdre la vue de... Faut pas perdre la carapace de... Qu'est-ce qui se passe en fait, quoi? Oula. J'ai failli me tuer. J'ai pas trop compris, là, le... Ah ok, d'accord. Ok, c'est bon, j'ai compris. Fallait juste activer ça. Allez hop. En tout cas, c'est bien fait ça. Petit système avec les copains. Très exploité dans Mario World. Enfin, dans les hacks de Mario World. Le Koopa là qui balance la tortue bleue. Okay. Les tortues bleues, les Koopas bleus dans Mario World, c'est vraiment les bests. Ah ok, donc là on a la clé et on a la sorte de plate. C'est vraiment les bestes, pourquoi? Parce que Yoshi déjà il peut voler avec, quand il les avale, il a des ailes. Et parce qu'il c'est les plus fortes aussi. Voilà. Parce qu'ils ont tous les carapaces. Alors, switch vert. Petite musique de l'étoile. Enfin de Mario 64 quand t'as des ailes, je sais pas quoi. Alors, ok, bon, on connaît, le texte n'a pas changé. Le pouvoir du switch vous permet de transformer les blocs en pointillés, en vrais blocs durs et purs et durs. Bon, ça c'est fait. Continue and save, oui. Allez hop. On y va. Go, 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 go. Allez, on va essayer de faire moins de fails parce que là on fait des noobs dès le premier épisode, on fait des fails comme ça, c'est pas bon. Quand même L2G. Chute de bâche. Non, ça, c'est L2G, il joue pas comme ça, je vous rassure. Dégage. C'est intense ce truc là. Bon, alors là, on va juste activer le switch. On va pas prendre la clé. Allez. Voilà. Voilà, on peut monter maintenant. Voilà. Du pouvoir, s'il te plaît. Non, il veut pas. Alors. Première fleur. Ok, là, on a P. D'accord. On monte en haut, allez. On monte beaucoup. Hein. J'ai bien fait de pas foncer, peut-être baisser là. Ah d'accord, faut aller prendre le pied. Bon, tant qu'il n'y a plus de monstres, on y va au calme. J'ai rien dit. Ils ont tous respawn. Allez, on s'en fout. Ah, il y a les cadeaux là. On peut pas le prendre, d'accord. J'ai pas compris c'est quoi ce délire avec les cadeaux là. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il m'énerve un peu ces dents. Ah, il faut que je le switch ici. Qu'est-ce qu'il y a là à droite? Il y a beaucoup de sorties. Hein. Il y a beaucoup de passages en fait. On se croirait dans un donjon Zelda. Voilà. Mais. Quoi? C'est pas bon du tout. Bon, qui bon. Là, on active le switch là, enfin, je sais pas comment ça s'appelle. J'ai tué les chiens là qui m'avaient tué la dernière fois. Alors, on retourne en arrière maintenant que c'est activé. Et on peut accéder à la porte. Ok. Checkpoint. Ça fait plaisir. Bon, alors, on monte l'échelle. Il y a quoi en haut? Une porte. Alors, hop, hop. Potion. J'aime ça. J'aime les potions. Là. Ouais, ça se sentait là. Ok, alors il y a quoi ici? Pièce. Ok, ça on peut le péter avec la boule de feu donc. Ils valent plus rien. Non.
Ah non, oublié le débat, je voulais sauter dessus. Ah, j'ai failli mourir. Faut que je fonce comme ça. Alors, s'il n'y a rien. Hop. Je comprends pas c'est quoi ces ballons. Ça c'est bien joué ça. C'est rapide, moi je croyais que ça allait mettre une pause. J'aurais dû regarder. Nézi va sauter deux fois. Oh, regardez. Nézi, bon allez, il m'énerve. Nézi, là il faut aller rapidement, sinon on va mourir. Moi avoir gagné, fleur, je t'ai vu, allez bien là. Mais allez, porte, moi j'aime bien les portes, boomerang, il va me buter. Mais le boomerang, moi jouer, retourne arrière. Il se fiche de qui lui, ou Pinez. Pinez, il va me buter avec son boomerang, j'ai peur. Moi être dans les Lego, moi avoir peur, il va me buter, si ça continue, il me traumatise, Pinez. J'ai failli me faire mourir par Picon et non par Boomerang. Pinez, bon, c'est comme ça, ça s'arrête. Pinez, moi, bientôt le tuer parce qu'il m'a énervé. Pinez, j'ai failli gagner, mais je suis mort comme un cassos devant lui. Pinez, moi, je comprends pas mon erreur. Pinez, go le tuer, ce qui coule là. J'attends qu'il lance ses Boomerang. Mais maintenant je peux rentrer en paix, tranquille, aller rentrer, espèce de cassos. En même temps, je suis mort parce que cette porte c'est de la merde. Je suis mort à la fin, hein, comme un con, Pinez. C'est n'importe quoi. Pinez, bon, moi je vous laisse avec même la pourriture de cette merde, il va vous dire ciao tout le monde. Bon, alors j'espère que cet épisode vous aura plu, ce premier épisode. On a fait beaucoup de fails, on a pris beaucoup de temps, mais vous inquiétez pas, il y aura du montage pour le dernier château. Hein. On a fait des fails débiles. Diego est mort parce que cette porte, c'est vrai que j'approuve, c'est impossible de rentrer dans cette porte du premier coup. Les portes, normalement, dans Mario World, tu peux même courir, rentrer si tu rentres. Mais là, c'est chaud. Tu dois te poser, ne plus bouger. Bref, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, soutenir le Let's Play. Et si vous aimez bien, tout simplement, un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé de ce premier épisode. Et abonnez-vous pour pas manquer les prochains épisodes, tout simplement. Sur ce, bye tout le monde, c'était Mam. Ciao.